Bon, Vix, il est en réanimation. Là, il est en réanimation. Ces fils de pute, ils l'ont frappé à 40-50. Il est en réanimation, le petit. Tu vois? Sur la vie de ma mère. Suivez ce qui va se passer. Moi, je vais rejoindre là. Tout le monde et suivez. Vous voulez tuer des gens? Ça va. Zaïd Al-Qahba, salope. Reste chez toi aujourd'hui, hein. Ah, sale pute. Atterman, cher gars, sale grosse pute, sale fils de pute de Sabri. Mais dis le fils de pute. Regardez. La pute, t'es prête de voir tes fils de pute d'enfants en prison? Bon, salam alaikum la famille. Vous avez sûrement vu toutes les histoires qu'il y a eu sur Snap. Je tenais d'abord à remercier tous les gens qui m'ont soutenu. Les gens qui me connaissent bien, ils savent que je suis pas hagard. Ils savent que je suis dans mon haq depuis le début. Et que malgré que je suis dans mon haq sur les réseaux, j'ai pas fait ruina. J'ai mis une fois une story, c'est tout. Après, j'ai disparu. Maintenant, je vois que je suis en train de faire polémique. Les gens, ils se mêlent parce qu'il y a des fausses rumeurs. Que des mythes, tu vois, des mythes. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans les prochains snaps. Mais en tout cas, moi, j'oublie pas ceux qui m'ont soutenu, ceux qui m'ont envoyé plein de messages, qui m'ont appelé, Mehdi, il faut rien. Respect à vous, il y en a beaucoup, je peux pas tous vous envoyer un message. Impossible. Respect à tout le monde. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, voilà la famille, je reçois plein de messages. Ouais, t'es un gars. Je vais remettre tout dès le début, parce qu'il y en a, je crois qu'ils ont pas suivi. Benadem, il y a une histoire entre les femmes. Moi, je me suis jamais mêlé. Alors que cette histoire-là, ça fait 4 ans que ça dure, je me suis jamais mêlé. Vous pouvez demander à qui voulait de la famille à Boufix. Jamais j'ai parlé avec une femme où j'ai manqué de respect. Maintenant, Benadem, il vient, il insulte ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est une hadja. Non, il l'a pas insulté. Il l'affiche. Ça veut dire ma grand-mère, elle sort dehors, les gens, ils la regardent. Il insulte ma madre. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ça reste ma madre, frère. Ma madre, c'est elle qui m'a mis au monde. Moi, je suis prêt à mourir pour elle. C'est normal. Comme n'importe qui va regarder ce snap, ta mère, c'est ta mère, mon frère. Ma soeur, elle n'a rien demandé à personne. Elle ne s'est jamais mêlée des histoires. Il la menace. Il l'affiche. Même il monte des menaces. Il fait peur aux femmes. C'est normal que moi, je pète un câble et que je suis dans mon haq. Ça, jusque-là, je suis dans mon haq. Benadem, il se mêle des histoires des femmes. Il faut pas. Et je lui ai parlé plusieurs fois. Je lui ai dit, Poufix, reste tranquille, ces histoires de femmes. Il n'a jamais voulu écouter. Maintenant, ça a pété. Donc voilà, jusqu'au jour est arrivé quand ça a pété. Maintenant, l'histoire de quand ça a pété, j'entends des gens, ils disent, on était 40, il y a des caméras. Si c'est vrai, on était 40. Vous voyez bien que, moi, tu as bien vu, moi, j'ai parlé une fois dans mes réseaux, j'ai disparu. Si on était 40, comme ils le disent dans leur réseau, ils leur ont montré cette vidéo où on est 40 et on le fera. Parce qu'eux, ils montrent tout. Moi, je ne montre rien. Je ne montre rien de tout ce qui se passe, je ne montre rien. S'ils étaient 40, ben moi, je donne l'autorisation. C'est pas grave. Je vais aller chez la police, ils vont m'attraper. Mettez la vidéo qu'on le fera pas 40. Parce que, oulala, qu'elle n'existe pas, cette vidéo. Sur la tête de ma mère, cette vidéo, elle n'existe pas et elle va jamais exister. On ne l'a jamais frappé à 40. On était deux, moi et mon pote. J'étais en train de faire, on m'a appelé, on m'a dit, il est là. On a inconnu sur Snap, on m'a bloqué. Je suis parti. Je l'ai trouvé là, quand je suis rentré dans le café, je lui ai dit, viens, on sort. Il n'a pas voulu, ça a pété, bagarre. C'est tout. Moi, j'ai une preuve, je vais vous la montrer. Mais ça ne sert à rien de dire, on était 40, c'est pas vrai. Je reçois des gens, ils me disent, ouais, t'es un higar. Il n'y a personne qui l'a trouvé à 40, qui l'a frappé à 40. Et c'est facile de faire ça. Ils veulent. Donc voilà les gars, comme j'ai expliqué, si vraiment c'était réel, on était 40, les premiers après que ça a pété la bagarre, qu'il y a eu les hnouches et tout, et les hnouches, c'est pas nous qui l'avons appelé, c'est les gens, les voisins, moi jamais de la vie je vais appeler la police. La famille Aboufix, ils sont arrivés directement sur les lieux. Et si c'était vrai, comme ils le disent, ils ont remis la vidéo, on le fera pas 40, parce que c'était les premiers arrivés dans le café, ils ont vu les vidéos. Maintenant j'ai compris ce qu'ils veulent faire, je crois ils veulent attiser la haine des gens sur nous, parce qu'ils savent que je suis dans mon haq, leur frère il est en tort. C'est une histoire de femme, il n'aurait jamais dû se mêler, insulter, même le problème il n'est pas là. Mais être un higar, je ne suis pas un higar, moi je vais vous mettre une preuve. Maintenant ceux-là qui veulent croire, ils me croient, ceux-là qui ne veulent pas me croire, ils ne me croient pas. Bruxelles c'est petit, je vais croiser tout le monde un jour, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Je vais pas me cacher, ni rien du tout. Maintenant moi je me suis justifié, parce que je sais qu'il y a eu des mensonges. Tu vois ce qui se passe là maintenant, c'est que des gens ils mentent à mon sujet. Et c'est pas vrai, c'est pas réel. Moi, ça, je laisse pas. Et encore une fois, pour ceux qui me disent, t'es un haïgar, je crois que vous avez pas compris. Là, les victimes, si on peut appeler ça comme ça, c'est nous dans l'histoire, frère. C'est nous, je me levais, les gens, ils nous envoient les stories, tkahkah, itfella. Benadem, on lui a rien demandé. Tu vois, il menace. C'est pas nous les fautifs. C'est lui. Et nous, moi, j'ai jamais répondu aux gens, j'ai jamais zbul quelqu'un. Je suis parti chez lui. La seule fois que j'ai tapé, je lui ai parlé une fois. Boufix, viens, on se voit. Et avant que ça pète tout ça, je lui ai dit, puisqu'il m'avait appelé, je lui ai dit, Boufix, reste tranquille, ne te mêle pas d'histoire.
Donc nous frères, moi je suis pas fautif. Moi j'ai défendu ma mère, c'est normal. N'importe qui va défendre sa mère. Surtout quand ta mère elle a rien demandé à personne. Surtout, frère, vous voyez bien que j'ai fait une story. Après moi j'ai ni parlé de sa sœur ni de sa mère. Moi les femmes je les respecte, la famille ils ont rien à voir, je respecte. Mais voilà, ça devait péter parce qu'il s'est mêlé des histoires des femmes. Maintenant moi je sais qu'on n'est pas fautif. C'est nous on s'est défendu. Moi j'ai défendu ma madre, ma frère. Et la famille, oulah, je déteste prendre mes réseaux et parler parce que oulah, c'est pas mon truc. Mais je vais encore vous expliquer quelques trucs, comme ça vous comprenez bien la situation. Benadem, il faisait des trucs de fou. Oulah, moi j'ai une frangine, j'ai une madré, j'habite avec eux. Ils mettaient leur adresse où on habite, ils mettaient mon adresse où on habite. Ça veut dire, ouais, moi je suis là pour les défendre. Mais oublie pas que c'est des femmes, frère. Tu mets une adresse, les gens ils disent, ouais, on va les attraper. C'est normal que ma madré a peur, c'est normal que ma frangine a peur. C'est normal que moi je voulais mettre fin à cette situation, frère. C'est normal. Benadem, ma tante, elle habite avec 3 enfants. Il envoie des gamins pour faire des tags. Wesh, ça, c'est normal. Wesh, imaginez-vous, votre tante, elle est à la maison avec ses enfants. Benadem, ils viennent, ils taguent. Ils ont pété leurs vitres. Ils ont pété les vitres de chez ma tante. Frère, c'est pas normal. Ça, c'est pas un... Ça, c'est pas... Pour moi, c'est pas un homme. Un homme, normalement, il serait jamais mêlé des histoires. Bon, et encore une fois, pour ceux qui disent que je l'envoie au coma ou réanimation, c'est que des couilles. J'envoie personne au coma ni en réanimation. J'étais sur Twitter là tantôt, j'ai vu une vidéo. Je vais vous la mettre, vous allez voir que quand il est sorti du café, il marchait, il était conscient. Donc ça n'a rien d'encore à côté des couilles, moi j'ai envoyé personne au coma. Ça va? Sur ce, la famille, je vais vous laisser. Je ne te demande pas du soutien. Moi, je me suis justifié parce que des gens ils mentaient sur moi. Maintenant, si vous voulez me croire, tant mieux si vous voulez de mon côté. Enfin, il n'y a pas de côté. L'histoire, elle a un sens. Maintenant, si vous le comprenez, tant mieux. Si vous ne le comprenez pas, mais allez, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, maintenant je vais vous mettre les preuves. Bonne soirée à tout le monde, salam alaikum. Et encore une fois, merci aux gens qui m'envoient des messages, qui s'inquiètent et qui sont là avec moi.